Eh bien, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Donc voilà, il est 21h30 précise et nous sommes sur Space Origin, Sun News et tout. Ok. Alors là, on a eu quelques petits problèmes, n'est-ce pas, hein? Parce que comme vous avez vu, problème de transition, n'est-ce pas? Bref. Donc voilà, nous voilà ici ce soir. Et on va voir plein de choses. On va voir d'une part, on va consacrer une partie du live comme d'hab au changement, voilà, à venir futur. Mais aussi et surtout, on va détailler, on va disséquer ce qui s'est passé avec le complexe Oots, n'est-ce pas? Parce que comme vous savez, le complexe Oots, il y a quelques jours, a cédé. Et l'opération qui a eu lieu pour détruire ce complexe est digne d'une opération tout à fait incroyable. Alors donc on va rentrer dans le système. On va donc rentrer dans le système, n'est-ce pas? On commence à rentrer dans le système et on est parti pour rentrer dans le système. Alors on a 15 minutes de retard, paraît-il. Donc on ne doit pas être sur le bon fuseau horaire. Je vais consulter le fuseau galactique. Alors nous nous excusons hein, pour ces 15 minutes de retard. Il me semblait qu'on était beaucoup moins en retard que ça, mais c'est vrai que le temps peut passer vite hein, dans l'espace originel. Alors donc on est parti pour le journal des changements. On va voir un petit peu ces changements. Donc qu'est-ce qu'on a qui est disponible? Le filtre pratique sur les flux qu'on avait évoqué, n'est-ce pas? Et donc ce filtre pratique, bah, il est là, ça y est, il est disponible enfin. Et par contre, c'est une option premium. On va la voir juste après pour voir un petit peu comment il fonctionne. Voilà, bien que je le découvre avec vous, puisque je ne l'ai pas testé, donc ça va être un peu la bêta test, ça va être rigolo. Une petite révolution concernant l'espionnage, le support de Nano est possible, donc ça veut dire que quelqu'un spécialisé dans l'espionnage peut offrir ses services pour le contre-espionnage d'une autre personne. Donc c'est très simple, on verra aussi comment ça fonctionne. Vous cliquez sur une base, vous faites contre-espionnage et vous pouvez mettre vos sondes en support. Alors ça a deux intérêts. Premier intérêt, c'est que forcément ça augmente la puissance de contre-espionnage de la personne que vous supportez. Donc ça l'aide à fermer l'opération. Mais en plus, avoir des sondes d'opération, avoir des sondes dans la base de quelqu'un, ça fait que potentiellement vous allez pouvoir en fait consulter tous les rapports que la base va avoir lieu. C'est-à-dire que si elle est attaquée, ben vous pourrez en être notifié. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a d'autre? On a d'autres que. On a donc les offres des inactifs en surstock qui sont achetables. Et puis au niveau de l'économie, il va y avoir des changements, un événement, comme on vous avait dit, plus tard, hein, sur le rééquilibrage des ressources, etc. Donc c'est encore à venir. J'avais annoncé ça pour cette semaine, mais c'est encore à venir. Là, on va plutôt voir les petites options dont je vous ai parlé. Et puis on va parler aussi des modifications proposées la semaine prochaine. Également, donc, lié à la chute de ce nouveau complexe, de ce complexe Oots, le nouveau système de surconsommation. Vous savez, c'est dit dans le tuto encore pour l'instant, mais ça va être modifié très bientôt. Pour l'instant, quand vous avez une base, quand une unité est en surconsommation, eh bien, elle est détruite, d'accord? Ben là, ce n'est plus le cas maintenant, les unités en surconsommation sont uniquement inactivées. Et donc ben, ça fait que votre flotte, elle continue, votre base s'endette, mais votre flotte n'est pas détruite. Voilà. Donc en fait c'est beaucoup mieux au niveau de. Enfin, on va tester ce système et c'est probablement ce système-là qu'on choisira pour la stable. Ok, alors ben, on va faire un petit tour sur le premium quand même, ça va être pas mal. On va se balancer sur le jeu. Alors est-ce qu'on peut ouvrir le jeu facilement? Ouais. Voilà, donc là je suis chez moi. Alors je suis pas premium, donc du coup j'ai pas le flux, j'ai pas le. Voilà, j'ai pas le filtre. Hein. Donc là, bah, du coup, je vais passer premium. Ah, le truc m'embête là. Le tuto m'embête là. Qu'est-ce qu'il veut là? Alors, attends, il veut que je clique sur le combat. Voilà. Cliquer sur le combat. Ah, mais il veut que je clique sur un rapport qui n'existe pas, bien sûr. Alors voilà, donc, hop, on va faire comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire compte premium. On va prendre l'ultimate. On va prendre l'ultimate pour 7 jours, tranquillement. Quoique non, non, c'est pas très. Non, ça me va pas. Je vais le prendre plutôt pour. Je vais le prendre plutôt. Non. J'ai suffisamment de pulsar. Non, je vais le prendre plutôt pour un mois. Allez. Donc on souscrit au compte premium, n'est-ce pas, pour avoir la fameuse option de filtrage des flux, entre autres. Voilà. Et donc là, normalement, magie. Magie.
Et ça n'a pas fonctionné, bien sûr. Et je vous avais dit, hein, je ne l'ai pas testé avant, donc voilà. Donc je suppose qu'il faut reboot le jeu, n'est-ce pas? On passe premium, mais en plus il faut reboot le jeu, c'est un peu scandaleux. Mais c'est comme ça que ça marche. Alors, donc en petit reboot du jeu. Petit reboot. Et là, normalement, on devrait avoir le filtrage des flux. Ah mais non, en fait, je l'avais déjà, c'est juste que j'avais pas vu. C'est juste que je suis bidon. Donc là, voilà, on peut faire des recherches là-dedans normalement. Donc par exemple, je peux rechercher bah, mes événements militaires et je peux mettre des sous-types. Enfin voilà, je peux faire vraiment tout que je peux voir les attaques, les attaques OP, etc. Et je peux également dire bah, quelle base. C'est-à-dire que là, je veux voir mes bases à moi. Et là, bah, voilà, ça va me trouver toutes les actions dans l'historique. Qui sont sur mes bases à moi, militaires, etc. Bon, l'interface, elle est un petit peu brute de pomme, mais en tout cas, les fonctions sont là. Et donc, par exemple, bah là, je peux voir, voilà, j'ai upgradé des bâtiments récemment, normalement, donc je peux voir les améliorations uniquement, hop, et voilà, j'ai juste l'amélio, j'ai amélioré mon centre d'espionnage. C'est assez réactif et c'est pratique parce que ça vous permet d'avoir rapidement ben voilà, des types d'opérations et d'avoir une synthèse rapide, un résumé rapide selon les opérations que vous voulez. Voilà pour cette petite fonction. Et puis la deuxième fonction, donc enfin le deuxième truc un petit peu fou hein, que je vous disais, c'était ici, vous voyez, là dans opération militaire, on a contre-espionnage et on peut balancer des sondes chez ses amis. Et ben voilà, je vais envoyer une sonde. Ah mince, mon centre d'espionnage n'est plus fonctionnel. Alors, mon centre d'espionnage, bah si, mon centre d'espionnage n'est fonctionnel pourtant, donc il n'y a pas de problème normalement, il devrait pas y avoir de soucis. Je vais retenter le coup, mince. Je vais retenter le soutien pour voir ce qu'il me dit. Il me dit, votre centre d'espionnage n'est plus fonctionnel, veuillez patienter. Alors je me suis peut-être fait bombarder, mon centre est peut-être inactif, il faudra que j'aille voir ça. Mais normalement ça devrait être bon. Ok, donc voilà, donc pour ce soutien des espionnages, des espions et pour le filtrage des flux. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah, je crois que voilà, c'était tout in-game hein, que je voulais voir. On va repasser en mode présentation. Voilà. Hop. Donc au niveau de la présentation, donc bah voilà, c'est. Donc si nouveau système de surconso, c'est important quand même, nouveau système de surconso, donc inactivité des flottes, donc les flottes ne se détruisent plus, mais endettent la base en neutro. Très bien, très bien, très bien. Ah oui, d'accord, les sondes d'espionnage réclament un centre d'opération, mais effectivement, c'est pas un centre d'opération, en effet. Je vais signaler cette information auprès des autorités compétentes. Ok, très bien. Ok, donc effectivement, là, il y a une erreur hein, sur le bâtiment, mais il n'y a pas de souci, ça va être corrigé d'ici la fin du live, il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc, le fameux complexe Outz, hein, la fameuse base avec le bouclier de ouf et le bas central a été détruite par l'empereur de Fahrenheit Neef, qui a commandité l'attaque, organisé l'attaque, et toute une coalition de planètes et d'alliances. Donc, on va voir ce détail, ça va être assez intéressant. On va détailler un petit peu tout ça. Un entretien avec lui, un entretien qui a été enregistré en différé il y a quelques instants. Donc voilà. La semaine prochaine. Donc voilà, toujours pareil. J'ai remis ça. Voilà, c'est toujours pareil. Il y a pas eu de j'ai pas eu, nous avons pas eu. On a des gens qui nous ont écrit sur origin@spaceorigin.fr, mais pas pour les raisons demandées. Donc voilà. Encore une fois, nous recherchons des gens qui sont dans les recherches de l'origine et qui accepteraient de témoigner. Voilà, sans balancer forcément des infos là où ils en sont, mais juste savoir leur état d'esprit sur ce décryptage de l'ADN, tout simplement. Donc écrivez si vous avez à origin@spaceorigin.fr. Très bien. La semaine prochaine, le FMU, comme vous avez pu le voir sur la fiche événement, annonce les superviseurs impériaux. Qu'est-ce que c'est que ces superviseurs impériaux? On ne le sait pas. Enfin, en tout cas, cette information n'a pas été diffusée publiquement. Il y aura des nouvelles options premium, voilà, des choses qui permettront de renommer les alliances et les joueurs, ça a été demandé depuis un moment. Il y aura également la destruction d'une base, je l'avais annoncé pour aujourd'hui, mais il y a un peu de retard, donc ça devrait arriver rapidement. Refonte, voilà, refonte, très important, donc je pense que la phrase n'est pas terminée.
refonte du système du système de support. On va le voir un petit peu après dans le changelog. Et la destruction d'une base secondaire, donc bon, je l'ai dit, et le retour du complexe Utz, point d'interrogation, qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça? Donc il va y avoir des grosses nouvelles, mais qui ne sont pas vraiment possiblement annoncées actuellement, des choses qui vont fondamentalement agir sur l'univers stable. Alors on va détailler un petit peu quand même malgré tout, il y a eu un Si appel au quand on changelog étudie. qui est passé. Alors je vais tout de suite voilà, montrer ça, concernant cet appel au changelog. Si vous allez dans le changelog actuellement, vous avez ici la version future. Donc on appelle ça version future parce qu'on demande des informations, on demande si des gens sont pour ou contre la modif. Alors pour l'instant, l'écrasante majorité est pour, donc elles vont être appliquées. Mais il y a des choses un petit peu techniques. Par exemple, les armées en support offensif, lors d'une attaque groupée, participent à la défense de la base fédératrice. C'est-à-dire que quand vous rejoignez une attaque groupée, vous vous mettez sur la base, vous rejoignez l'attaque groupée, donc vous participez à l'attaque groupée sur la base qui organise l'attaque. Mais si cette base se fait attaquer, bah, c'est un peu bête parce que toutes les armées qui participent à l'attaque groupée ne défendent pas la base. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qu'on veut changer et on aimerait que les armées participent. Si le stock de neutronium passe en négatif, il n'y a plus de destruction, mais vos unités ne sont plus contrôlables. Donc ouais, bon, ça c'est une modif qui est déjà en production, donc voilà, c'était mis dans la version future, mais c'est déjà le cas. Militaire, si votre centre d'opération est désactivé suite à un bordement, aucun ordre ne peut être donné aux troupes. Voilà, donc l'opération et le rappel des troupes n'est pas possible. Et à l'inverse, le spatioport, s'il est désactivé suite à un bombardement, les supports sur d'autres bases ne participent pas au combat. Mais la formation défensive, par contre, reste active. Voilà, et de même que les supports externes. Voilà. Donc ça permet vraiment de. Bah, c'est, ça permet de séparer vraiment bien le spatioport de centre d'opération. Et ça permet, c'est assez intéressant parce que quand on veut, enfin, ça permet d'affaiblir quelqu'un qui est très supporté en n'attaquant pas directement sa base, mais en attaquant les spatioports des autres bases. Et donc en menant une attaque coordonnée, un petit peu comme ce qu'ont fait NIF et toutes les coalitions, mais ça permet de faire tomber vraiment un maillage, un réseau de défense. Et c'est voilà, c'est des choses qui nous paraissent bien. Donc vu les votes, ça passera à la version prochaine. Donc voilà, j'aurais pu le mettre dans la présentation, mais voilà, donc on va considérer que c'est OK. Mais d'accord, très bien. Non, je me trompe de système. Très bien. Donc on retourne ici. Donc avant de passer à l'entretien enregistré avec NIF, on va voir, bah, comme d'habitude, la petite exclue. Donc là, la petite exclue, c'est. Non. La petite exclue, c'est un nouveau concept de skin. Je vous ai montré la dernière fois, je vous ai montré des skins finalisés. C'est pas encore disponible à l'achat, mais en tout cas, le concept est fini. Et là, ça, c'est un nouveau concept, un concept qui n'est pas encore texturé et qui est en mode un petit peu dark. Voilà, c'est pas tout à fait la version finale, il y aura des petits ajustements qui vont être pratiqués dessus. Mais voilà, c'est en mode un petit peu défense. Voilà, donc c'est assez trippé comme style. Il va y avoir une bonne offre de skins, ça va être assez intéressant. Il y aura pas mal de bases différentes, c'est assez chouette. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on peut dire qu'on va passer à l'entretien avec Nif. Voilà. Le grand Nif, l'empereur de Fahrenheit, a mené une attaque, a organisé une attaque, va présenter cette organisation. Donc, c'est très intéressant pour tous les joueurs qui ont participé de voir un petit peu les coulisses, mais aussi pour les joueurs qui n'ont pas participé et les nouveaux joueurs qui ont rejoint le jeu parce que c'est une organisation de ouf. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? On peut dire que bah peut-être qu'on reverra Nif ou quelqu'un de Fahrenheit, parce que sur Fahrenheit, il y a une académie qui est en route depuis quelques temps, qui propose notamment aux nouveaux joueurs des récompenses. Voilà, donc c'est assez intéressant parce que les récompenses sont assez énormes pour quelqu'un qui commence. Et donc bah, ça peut être une bonne subvention pour se lancer dans le jeu si on arrive maintenant sur cet univers qui est déjà largement entamé, hein, puisque comme vous savez, l'univers de Big Bang c'est déjà plus de 6 mois. Et bien évidemment, en 6 mois, il se passe beaucoup de choses. Et voilà, donc bah, on va balancer le scoop tout de suite. Voilà, on va lancer ça. Donc bah, c'est parti. Je vais être en route la vidéo. Si ça veut bien. Si ça veut bien, je vais mettre en route la vidéo. C'est parti. Avant le live, hein, donc voilà. Bonsoir, merci de me recevoir. On va pouvoir
faire un petit bilan, un petit briefing de ce qui s'est passé, voir les décompositions des différentes phases de cette organisation et au final, comment nous avons réussi à vaincre cette forteresse. Alors tout à fait, et pour ceux qui ne le savent pas, hein, donc vous êtes présenté comme le commanditaire, enfin le leader de l'attaque de l'opération qui a eu lieu sur le grand complexe des Houtes, opération qui a vaincu une puissance qui se chiffre en millions, n'est-ce pas? Voire même en dizaines de millions si on totalise l'ensemble du complexe. Et donc voilà, c'est cette opération. Donc pour mémoire, il fallait donc synchroniser en 4 heures la destruction de 8 bases hein, qui entouraient une base centrale. Donc c'était une opération qui demandait à la fois puissance, coordination et organisation. Donc on va rentrer dans les détails un petit peu. Donc avec un document que vous avez tenu à nous communiquer, on parlera un petit peu après de la victoire, de ce qui s'est passé. Alors on va basculer sur la vue, voilà, sur ce tableau là que vous m'avez transmis. Donc ce tableau en fait, je vais vous laisser le présenter du coup. Je vais commenter rapidement en fait sur ce tableau. Sur les 8 premières lignes, on a les 8 morceaux de la muraille où on a pu définir différentes attaques. Et après, fonction des timings, on pouvait les synchroniser et ensuite synchroniser l'attaque de la capitale par-dessus ça. Donc là on voit ici, il y a une colonne assignation où il y a différentes planètes. Donc qu'est-ce que ça signifie en fait? Ça signifie que plusieurs planètes ont participé à l'attaque? Exactement, en fait, au début de cette organisation, il faut bien comprendre qu'on est un collectif de 8 planètes pour réaliser cet event. Donc on a Taurus, Z42, Méta, Fahrenheit, Moro, Callio, Titan et Néo. Je suis pas dans le même ordre que dans le tableau, mais bon. Et après, comment ça s'est passé? Première étape, on a espionné toutes les cibles pour recenser les différentes puissances et puis localiser les bâtiments à bombarder. Et deuxième étape, on a déplacé toutes les bases qui lançaient les attaques les unes à côté des autres. D'accord, Ça, donc le déplacement était important, était obligatoire pour cette synchronisation. Bon, parce que voilà, c'est un des points qui est important, puisqu'le déplacement est souvent évoqué comme étant une mécanique de jeu indispensable et la côté premium est remis en question. alors là, c'était un fait qui avait été abordé au départ par rapport à des histoires de vitesse de flotte. Savoir que nous semblait que dans les attaques groupées, la vitesse de l'attaque était dépendante du vaisseau le plus lent dans l'attaque. Donc, en partant sur des bases qui étaient proches les unes des autres, on n'aurait pas eu de décalage en fait dans les attaques. Mais avec les différents tests que l'on a fait, on a pu se rendre compte que c'était la vitesse de l'attaque qui était, enfin des vaisseaux qui étaient lancés dans la création de l'attaque qui déterminait la vitesse. Tout à fait. Voilà. Donc ça fait partie d'un point que nous avons étudié par la suite. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a déplacé les bases, les 8 empereurs ont communiqué sur leur planète les informations de ce plan et ont récupéré toutes les flottes joueurs qui étaient disponibles, toutes les informations. Alors justement, ces flottes disponibles, il y a un onglet, est-ce qu'on peut les montrer par exemple? On peut. Oh, donc voilà, donc c'est cet onglet-là, hein, donc Voilà. dont vous parlez. D'accord, donc cet onglet en fait On vient recenser toutes les puissances qui ont été annoncées par les habitants de chacune des planètes. D'accord, donc Donc c'est les des gouvernements. flottes quand même qui se chiffrent souvent en milliers, hein, voire centaines de milliers. Ah oui, exactement. Oui. Et ça montre qu'il y a eu une participation assez massive. On aura les détails sur le troisième onglet des participations. Ça nous sort des chiffres assez intéressants. D'accord, alors je montre le troisième onglet. Ou est-ce que vous voulez, avant ça, peut-être qu'on voie une ou deux batailles, enfin, ou je sais pas, est-ce que vous avez des combats particuliers, des tactiques militaires à révéler sur la façon dont certaines flottes sur le bouclier ou sur la base principale ont été détruites? Je vais venir. Ouais. En fait, quand nous avons organisé ça, on avait défini un schéma type pour les différentes formations, à savoir mettez les squales et les hélios en rang 4. Enfin, on connaissait les rangs pour chaque type de vaisseau. On avait donné comme consigne de maintenir sur un tour la formation et d'aller jusqu'à 100% de repli sur perte. Donc ça, c'est quelque chose qui a été massivement suivi.
et on pourra le voir dans les rapports d'attaque effectivement. D'accord. Donc par la suite, on fait aussi, on peut regarder un combat, ouais, pour se rendre compte que. Donc là, enfin, quel combat selon vous est pertinent, enfin, intéressant parmi les différentes? On a tous la même formation et ils sont tous aussi représentatifs les uns que les autres. D'accord. Alors on va regarder, bon, on va regarder un W8 par exemple. Oui, Kayo. Un W8. Il y avait. Alors sur ce rapport, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? On a une puissance qui est totalement écrasante hein, par rapport à. Donc on avait 1,4 million de puissance sur le Million. Ous, et vous avez tapé à coup de 34 millions, quoi. Oui, voilà. Ouais. Voilà, donc c'est un rapport de 1 à 30. Voilà, il n'y a pas de souci, quoi. Là. 1% de perte, ça va, il n'y a pas eu trop de pertes, c'est correct. 1,89% de perte. Ouais. C'est la plus petite perte que nous avons enregistrée. Ah ouais, là, bah ouais, avec un rapport de 30 pour 1, c'est sûr que là, c'était pourtant la partie du bouclier la plus forte. Donc, Une des deux 1,5 million de parties, puissance. il y avait une partie à 1,5 million. Mais on pourra voir par la suite que c'est pas tellement suivant le rapport de force que le taux de perte s'applique. Il n'y a pas de corrélation à proprement parler. Alors que le taux de perte s'applique selon quoi? Alors selon la qualité de la formation. Je pense que oui, ça joue effectivement, suivant les boosters utilisés, Voilà, différents ça, distances. ouais, ça envoie fort. Alors c'est vrai qu'on voit, à première vue, on voit effectivement une synchronisation quand même assez parfaite, notamment par exemple ici, là, les squales qui sont quand même tous sur la même ligne. Donc ça montre quand même une coordination qui est quand même assez hallucinante. Dans la Je mesure où, suis. vu le nombre de participants, ça pourrait diverger. Et On a. par contre, au niveau des zéphyrs, je ne sais pas quelles consignes ont été données, mais on a une impression d'harmonisation un peu moindre. Oui, Autant oui. les hélios, les squales ont l'air d'être assez synchro, de même que les cuirassés probablement. Et après, les zéphyrs semblent un peu moins synchro. Mais là, ils se resynchronisent après, c'est ça, au niveau du Oui, déplacement. par leur vitesse, oui, parce qu'on casse la Ah oui, formation, là. là ils sont synchro. Là, ça tire fort. Ouais, là ça tire fort, ouais. Là on va atteindre le bombardement, ouais, là, une première vague de bombardement seulement, et après deuxième vague de bombardement. Arrive avec les cuirassés, c'est ça. Et là ouais. On avait quand même du lourd, hein. On avait 2600 Zephyr d'un côté, avec 5000 squales quasiment, je crois, ouais. 4600 squales. Il y avait quand même du monde. Et là le squale il tire sur chaque vaisseau, alors c'est dire que ça peut durer quelques heures. Ça se traîne un petit peu, du coup les dégâts sont bien répartis sur les ensembles, donc ça s'est très bien passé. Bam! Là, ça bombarde là. Et là, je crois que c'est terminé pour eux, parce que là, Oui, ils se sont pris le coup fatal. En gros, ouais, en trois coups, l'histoire est c'est. pliée, quoi. Il y a encore le squall qui est un petit peu. Ouais, qui a pas pris de coup là encore, le squall, c'est étonnant, il a pas pris de coup. Les cuirassés vont tirer dessus, donc Ouais. Donc enfin une partie. là, c'est sur ce coup-là où cette fois-ci, ça va booster. Bon, c'est vrai que c'est assez intéressant. Bon, le nombre de vaisseaux rend le combat partiellement illisible, bien qu'on ait effectué des regroupements. Mais c'est là où on s'aperçoit qu'il y a vraiment une vraie synchro, quoi. C'est-à-dire que quand on voit des squales empilés comme ça, c'est assez génial, quoi. Oui, ça a bien marché. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que quand on a eu les informations des participants de chaque planète, on a bien vu qu'au niveau puissance, on arriverait à regrouper vraiment des valeurs astronomiques. Donc c'était très intéressant. La difficulté, c'était sur l'attaque qui était amenée sur le H-Brain, le centre, qui partait depuis les capitales. Là, de suite, on a eu beaucoup plus de difficultés. Alors on va y aller justement. Alors là c'est sûr que gros globalement, étant donné le nombre de participants en fait hein, sur le bouclier, vous étiez en surpuissance on peut dire. Hein. Par Ah contre oui, effectivement le bouclier central, l'attaque centrale était une attaque capitale. Par contre rien n'empêchait des joueurs a priori de participer à l'attaque groupée des capitales. non, du tout, c'était impossible. Ah d'accord, ok. Donc ça Yeah. c'était ça a été un verrou pour vous important. Vous en êtes rendu compte à quel moment? Bah, quand on a fait les tests d'attaque, on a pu D'accord. Mais voir vous avez que dû les. faire tomber le bouclier avant pour faire ces tests ou vous avez réussi à le faire avant de tomber ces tests? Non, on les a fait avant. D'accord. Là, l'armée fait demi-tour. Non, non, c'était directement impossible de lancer l'attaque, enfin le Ah soutien. oui, mais je veux dire. Ah oui, vous avez annulé l'attaque groupée après avant qu'elle arrive. Okay. Alors du coup, l'attaque capitale, donc, ça doit être celui-ci. Et donc là, on a un rapport de force qui va être un peu moins puissant. Exactement. Voilà, on a un rapport de 2 en fait, hein, 7,5 millions. Et vous avez attaqué avec 13 millions, ce qui accuse quand même des pertes énormes. Hein. 4 millions de pertes, ça fait On est mal. pas mal, ouais, Ça de fait mal. perdre. Donc c'est Fahrenheit qui a mené l'attaque. Alors, comment cette décision est venue? Pourquoi? Parce que il était bien précisé, donc le FMU avait bien précisé dans son communiqué que ce serait la planète
qui mènerait l'attaque, qui serait a priori récompensé. Donc comment Fahrenheit a réussi à se positionner, et vous donc, avez-vous réussi à vous positionner en tant que leader sur cette opération? Alors déjà, il faut savoir que pour la majorité des planètes participantes, on était déjà en relation depuis pas mal de temps. On communique très bien ensemble et on tombe d'accord très vite. Et ce qui est très vite ressorti, c'est que le gain allait être collectif ou alors on aurait refusé le gain tout simplement. D'accord. Donc on partage ce gain et ça ne va pas plus. Mais là, par exemple, à ce jour, vous avez eu des informations qui ont été communiquées concernant le gain? Oui, D'accord. effectivement, on a eu des informations. Alors déjà, bon, c'est le FMU qui vient nous récompenser et vient nous donner trois boosters. D'accord. Bon, pour l'instant, nous allons garder la nature secrète. D'accord. C'est-à-dire, c'est, on peut savoir, on peut savoir, vous n'êtes pas obligé de répondre, mais est-ce que c'est des boosters, ils vous ont donné des lots de boosters, des plans de boosters, enfin des. Originaux qu'on ne trouve nulle part ailleurs. D'accord. Et donc, vous êtes en possession de pouvoir rechercher, par exemple. Oui, on va pouvoir les rechercher, c'est des boosters intéressants et donc nous allons partager équitablement entre les 8 planètes participantes. D'accord. Ça, c'est Et sûr. donc très bien. Et concernant donc les autres infos, donc ça veut dire que finalement vous allez, enfin finalement quasiment, enfin bon, 8 planètes sur 11, tout l'univers, enfin une partie de l'univers finalement va être au courant quoi. Finalement, enfin va avoir les informations dont vous disposez. Oui, tout à Ouais. fait. Et comment se positionne, enfin comment vous allez vous positionner vis-à-vis des planètes qui n'ont pas l'information? Pour l'instant, il faut savoir que cette information est tombée il y a environ 1 heure. Donc, on se laisse la possibilité de. Enfin, plusieurs possibilités. On va voir si on informe ou pas. Pour l'instant, on ne dévoile aucune information pour se permettre toutes les possibilités par la suite. On garde ça D'accord. secret, on va voir ce qu'on en fait. Mais d'accord, très bien. Et concernant l'attaque, enfin concernant, pardon, Alba, comme vous savez, Alba a financé Oui. le complexe Oots. Donc par conséquent, Alba a probablement des relations, enfin en tout cas, on le suppose, que Alba communique, échange avec les Oots. D'une part, pourquoi Alba n'a pas été jointe à l'opération? Est-ce que c'est un choix de sa part délibéré? Est-ce que les Hoots lui ont demandé de ne pas participer à l'opération? Et enfin, autre point, est-ce que vous envisagez d'essayer d'avoir des informations avec. Enfin, de faire des échanges d'informations, entre guillemets, quoi, entre. Vous avez des informations du FMU, peut-être qu'ils ont des informations des Hoots? Est-ce qu'il y a des communications? Est-ce qu'il y a une volonté diplomatique de ce côté-là? Disons qu'ils ne sont jamais venus nous voir pour nous dire qu'ils avaient des informations particulières sur les routes. Donc, a priori, il n'y a pas de. Et au niveau de l'attaque, pour la première question, vous n'avez pas répondu du coup. Pourquoi ils ne sont pas joints à l'attaque? Bah, parce qu'en fait, on était en opération déjà avec les autres planètes, mis à part Neo qui s'est rejoint après. On était déjà en opération, on discutait très régulièrement et à la fin d'une réunion sur un autre sujet, on a abordé le thème de la forteresse et on a décidé de faire ça entre nous. D'accord. Et en étudiant les enfin comment dire le, là. Vous avez perdu quand même une puissance quand même qui est considérable sur les planètes. Enfin voilà, ça chiffre quand même en millions les pertes sur les capitales. Est-ce que ça serait pas finalement une faille ou une opportunité pour les autres planètes qui jalouseraient votre récompense de finalement de déclencher une guerre ou, voilà, planétaire ou interplanétaire? On ne s'est pas du tout affaibli sur cette opération. Pas du tout affaibli, d'accord. Non. Aucune crainte. Aucune. Ok. Voilà. Là, on est tranquille là-dessus. On n'a pas de problème de puissance. Et on est vraiment très solidaire, c'est la chose à retenir. D'accord, donc finalement, voilà, là vous êtes là ce soir, mais finalement ce que vous dites c'est bon, vous avez mené l'attaque, mais bon, finalement c'est collectif quoi, il n'y a pas de, voilà, il y a pas Fahrenheit avant les autres quoi, c'est global quoi. Non, pourquoi Fahrenheit? C'est parce que on a un tunnel vers Alba et les attaques partent beaucoup plus vite. Voilà la seule Ok. raison. Et ça aurait très bien pu partir d'ailleurs. C'était un choix technique, c'était pas un choix de meneur d'opération ou autre. On est vraiment D'accord. en fait. Très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? On est sur l'onglet récapitulatif, peut-être que vous souhaitiez le présenter. Alors avant ça. Oui, allez-y, hein, je vous en supplie, vous êtes chez vous. Donc on a fait des calculs de vitesse, on a annoncé, on a déterminé les heures
Ça, on peut le voir sur l'onglet timing lancement, premier onglet. Alors, donc, heure d'impact, heure de lancement. Donc, ça, c'était l'heure d'impact prévue ou l'heure d'impact mesurée? Non, l'heure d'impact prévue. Et au Prévue. final, on a tapé à chaque fois entre 5 et à 5 secondes près en fait sur 16 heures. On a été très précis. On D'accord. connaissait les temps de trajet, on connaissait tous les temps de préparation. Il faut aller un petit peu plus à gauche sur le tableau. À gauche, merci. Ah oui, d'accord. On avait fait les mesures de tous les D'accord. temps Donc au de trajet. final, vous étiez. En fait, vous avez été large, quoi. C'est-à-dire que sur les 4 heures, 10... les 4 heures, pardon, données, vous avez réglé le truc en 1 h 10, quoi. Ben, au final, oui, après coup, on a décalé l'attaque de la capitale et ça a eu son importance parce qu'on a eu un petit whoops dans l'organisation. Mais quand on a commencé cette étude, on était parti sur la base des 1 heure. Ouais. Et on D'accord. Ah compte. oui, donc là, vous avez tenu l'heure, quoi. 1 h 10 quasiment. Qu'est-ce qui a expliqué du coup que vous ayez reporté votre opération? Parce que je me suis laissé dire que l'opération était prévue pour samedi ou dimanche, je sais plus, Ouais, dernier. je vais lancer dimanche soir. Qu'est-ce qui a induit le report? On avait pas réussi à synchroniser bien les différents messages planétaires en fait. Donc, comme il fallait D'accord. diffuser et récupérer toutes les informations en même temps, il fallait être bien calé à ce niveau-là. D'accord. On voulait vraiment faire participer un maximum de monde à cette opération en fait. Ok. Donc ouais, organisation assez impressionnante. Décalage maximum mesuré 35 minutes, décalage minimum 5 minutes. Ça Oui. va. Après, on a eu d'autres pièges parce que c'est ce qu'on peut voir en partie inférieure de cette même feuille. On a D'accord. dû lancer, on a dû doubler les attaques. Quand on a lancé les attaques groupées, on avait défini les positions des bâtiments. Oui. Et il se trouve que quand la forteresse se régénère, les bâtiments changeaient de place. Ah, vous l'aviez observé de quelle façon en fait? Vous avez fait un test ou non? Ça a été par hasard en fait que vous avez découvert ce problème. On l'a découvert, c'était sur cette 42 qui nous ont fait remonter l'information. Une fois que les attaques groupées avaient été créées, que les assignations des cibles avaient été données, que tout avait été transmis, les bâtiments n'étaient plus réellement à leur place. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un erratum? Est-ce qu'on recommence tout ou autre? Non, la solution c'était, pour tout ce qui a été diffusé, on garde les positions actuelles et on vient, après les attaques groupées, envoyer des flottes en direct, timées à D'accord. 5 minutes de décalage. Et on vient éclater les positions. Alors, Ouais, qui enfin, les... était finalement le bombardement des bâtiments était quelque chose d'anecdotique par rapport à la destruction des flottes, quoi. La destruction des flottes, non, ça a Non, je été veux très... dire, le plus dur c'était la destruction des flottes. Après, les bâtiments, il n'y a pas besoin d'une grosse puissance de frappe pour les détruire, c'est ça que je veux dire. Non, c'est sûr. C'est sûr. Mais on a eu un petit problème de synchronisation. On a eu une attaque directe qui est arrivée avant l'AG. Ah, c'est celle-ci là, peut-être la W3 qui a eu 35 minutes d'écart au final. Non, celle-là, c'est un premier whoops, mais elle a fait un aller-retour. Il y avait un problème de position sur les bâtiments. Mais D'accord. c'était sur W6. Donc l'attaque que j'ai lancée, elle est arrivée avant l'AG. Donc j'ai crashé une flotte sur la défense qui était encore en place. Donc il a fallu déménager une base sur place pour envoyer l'attaque. D'accord. Et on retrouve toujours le petit déménagement. Le petit Là, déménagement sauveur. c'est ça, le Je moteur. répète d'ailleurs, j'en profite pour dire que le déménagement ne sera bientôt plus, suite à une réforme, ne sera bientôt plus instantané. Hein, donc ce genre de petite combine ne sera plus possible. Alors, il ne faudra pas que les boosters disparaissent pendant les attaques. Parce que j'aurais bien aimé arriver avant, enfin, que l'AG arrive avant mon attaque. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'attaque groupée avait été lancée avec un alpha et un speed boost, et le speed boost a disparu. Du Ah, coup, ok, l'AG a mis. d'accord. Alors là, dans ce cas-là, mea culpa, visiblement. Il faudra qu'on en reparle. Ok, donc, bon, là, on est quand même. Enfin, ça fait un petit moment qu'on discute. On va essayer d'accélérer, enfin, d'envisager une clôture d'entretien. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire avant de voir le récap? On peut voir le récap. On Bon, peut c'est voir le bon. récap. Alors, voyons le récap. Alors, qu'est-ce que nous présente le récap? Il nous présente. Au final, entre les flottes joueurs et alliances, on avait 424 flottes différentes. Ça, c'est assez intéressant à voir. 213 joueurs mobilisés, 57 bases alliances. Énorme, énorme.
Ça, c'est Avec, avec des puissances qui donnent le vertige, quoi. On a des puissances donc de 34 millions à 3 millions, quoi. Ah C'est quand oui, même incroyable, quoi. le Donc avec cumul de puissance. 82 millions de puissance totale, quoi. Sans Voilà. compter la capitale. Donc on est quasiment à 100 millions de puissance, quoi, mobilisée. Ouais, sans compter les attaques qui sont parties en direct aussi. Ah oui, exact. C'est de la puissance, ouais. Et donc le taux de perte maximum 29% sur les capitales, et au niveau joueur, vous avez au maximum 6%, enfin 5% en 96, avec une moyenne à 3,26. C'est quand même plutôt pas mal. Et effectivement, l'attaque qu'on a regardée, la W8, qui était la plus réussie, 1,89%. Ouais. C'était quand même assez hallucinant. Alors vous disiez que il n'y avait pas de rapport entre le pourcentage, enfin la pourcentage de le ratio défense-attaque et les pertes. C'est une valeur que je n'ai malheureusement pas calculée. D'accord. Je l'avais observée. Je ne saurais plus dire sur lequel. Si par exemple entre W3 et W4, je crois que c'est ça. W3 ici, W4 ici. Non, 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 je me trompe. Non, parce que là on a le même rapport à peu près. 1 million 400. Ah oui, non, oui, je regardais. Ah là par exemple. Ah oui, exact. Bah là par exemple, vous avez raison. Là on a le même. Non, mais bah non, pardon, on n'a pas la même plot, non. Non, non, Si, non, si, 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 on a la même perte, mais pourtant on a deux fois plus de puissance attaquante. voilà, sur W5 et W6, ouais. Voilà. Ok. C'est analysé. On va voir ce qu'on peut en tirer et l'expérience Effectivement, c'est qu'on peut analysé. C'est quand même incroyable. Donc voilà un petit peu. Enfin, c'est assez vraiment, vraiment intéressant de voir les coulisses de comment on monte une opération comme ça. Ce type de défi PVE, c'est en tirer. vraiment là-dessus qu'on va s'orienter sur la prochaine univers stable. On va vraiment avoir plein de défis PVE comme ça. Et On donc est du prêt. coup, ça montre un petit peu quelle organisation faudra avoir. Donc il y aura des événements PVE solo et des événements PVE communautaires. Ce sujet était ultra communautaire puisqu'il a envie. Comme on a vu, il a mobilisé 8 planètes. Moi, je pensais pas du tout. Je pensais que c'était Fahrenheit qui avait fédéré directement ce système. Mais effectivement, comme les Tout joueurs ne pouvaient pas rejoindre les attaques planétaires, ça paraît tout indiquer que les planètes se mobilisent entre elles. Ok. Est-ce que vous avez d'autres choses à déclarer à d'autres planètes, des communications personnelles? Moi, j'ai un dernier point à évoquer avec vous, peut-être, avant ça. Allez-y. Déjà, remercier tous les participants qui ont vraiment bien suivi les consignes, qui ont posé les bonnes questions, qui nous ont bien aidés. Et donc, seront sûrement récompensés et on compte sur leur aide pour les suites de cet event. D'accord, moi j'ai une dernière petite chose que j'ai envie d'évoquer avec vous, c'est. Alors qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai cliqué sur une opération de bombardement, je pense. Oui, le dernier point, c'est que, a priori, enfin apparemment sur Alba, il y a une académie qui est lancée, enfin qui serait organisée par Fahrenheit, enfin ou par le gouvernement de Fahrenheit. Sur Alba. Sur Alba, sur Fahrenheit, pardon. Sur Fahrenheit, Sur il y a une Fahrenheit, académie. il y a une académie qui serait organisée par le gouvernement de Fahrenheit. Non, pas par le gouvernement, c'est une entité autonome. D'accord, c'est une entité autonome. Et donc, vous êtes dirigeant de cette. Vous êtes à l'initiative de ce. Du tout, c'est créé D'accord. vraiment à part entière toute seule. Et c'est une alliance qui est créée depuis déjà plusieurs mois, qui a pour vocation de former les nouveaux arrivants, qui les accueille, qui organise même des events au sein même de l'Alliance. Et donc ce que nous avons fait depuis maintenant une semaine, c'est que nous les aidons financièrement et aussi à se présenter directement. Donc ça permet d'aider les nouveaux cyborgs qui arrivent à rencontrer des gens, à échanger des données, de l'expérience, et Ok. ça aide à accrocher, on va dire. Donc on est assez intéressant pour suivre cette opération. Donc si on vous conviera peut-être dans un autre entretien dans ce contexte-là, enfin ou alors le représentant de l'association, enfin de l'académie. Enfin voilà, c'est quelque chose qui nous intéresse particulièrement. D'accord. Bah écoutez, voilà, je pense que l'entretien est terminé. Hein, ce fut intéressant, intense. Voilà, voilà, si vous avez rien d'autre à dire, je pense qu'on peut clôturer ici. C'est bon pour moi. On va mettre à disposition, je pense, le récapitulatif que l'on vient de voir ensemble. Comme ça, on donnera l'accès à tout le monde, à toutes ces informations. C'est important. Ok, bah merci beaucoup. En sachant qu'il y a une vidéo qui circule déjà normalement sur Facebook, enfin qui a circulé sur le Facebook Space Origin, qui a été montée par Alderant et qui est assez excellent, qui retrace toute l'attaque. C'est Énorme. génial, c'est super bien fait Énorme. avec des extraits. Enfin, c'est énorme, voilà, c'est à voir. C'est un petit court métrage, super marrant.
Je balancerai, on balancera le lien, je pense, durant le live de cette vidéo, enfin après le live de cette vidéo. Sur ce, bonne continuation et puis GG, PGM. Merci. Et à bientôt. Ciao, ciao. Ah, donc on va faire un clap. Ok, et ben voilà, donc ben c'était un entretien qui était assez sympa sur les coulisses de l'opération. Enfin, c'était assez intéressant. Donc là, sur le, il y a eu un petit débat, il y a un petit débat parallèle sur le TP, ce qu'il faut faire les TP, voilà, c'est pas bien de faire le déplacement de base, d'enlever le déplacement de base instantané, etc. C'est des réflexions qu'on a actuellement. On envisage une refonte du déplacement malgré tout. Effectivement, ouais, effectivement. Alors il y a Ludrion qui a une il y a une polémique là sur ouais c'est payant machin pay to win tout ça. Bon, les polémiques habituelles. Hein. Voilà, pour l'instant c'est vrai qu'on a fait le choix. Enfin, on se dirigerait sur la stable, peut-être pas forcément sur cet univers, mais voilà, on se dirigerait sur la stable en tout cas vers une réforme, enfin vers une réforme du système de déplacement de base. Voilà, c'est quelque chose que, après avoir étudié ce que proposait le déplacement de base et le fait que ce soit une option effectivement qui est payante, voilà, on a envisagé ça. Mais voilà, c'est à voir quoi, c'est à voir en sachant que de toute façon, d'autres options premium vont voir le jour lors de la stable. Donc voilà, ne pensez pas que, enfin, voilà, que ce que le déplacement de que le déplacement de base, voilà, enfin, il y a d'autres choses intéressantes, voilà, y a, qui vont être proposées, mais comment dire, on préfère proposer du contenu que de proposer une mécanique qui va frustrer certains joueurs qui considèrent que c'est une hérésie de payer le déplacement. Enfin, bref, de toute façon, tout cela va évoluer. On a un certain nombre de choses à mettre en place avant la stabilisation du jeu. Et voilà, il y a nouvelles options qui sortiront avec la stable. Et voilà, donc apparemment, il y a un petit débat sur le chat auquel je ne participerai pas. Oui, des quêtes pour les déplacements de base, c'est quelque chose qui est demandé, qui a été demandé. Mais de toute façon, lors de la stable, comme je l'ai dit souvent, le PVE, le PVE risque de, enfin, n'aura plus tout la même figure. Il y aura beaucoup plus de quêtes de type bunker qui permettront d'obtenir des items collaboratifs ou solo. Donc voilà, donc c'est sûr que tout ça sera possible. Enfin, là, il y a déjà des choses qui sont possibles, mais qu'on ne peut pas activer sur Bing Bang pour des raisons, parce que rétroactivement, ce serait pas possible de l'activer sur Bing Bang. Et puis le marché s'est déjà installé. Il y a déjà tout un business qui s'est installé sur Bing Bang à tous les niveaux, au niveau des boosters, au niveau des ressources, au niveau des pulsars. Voilà. Donc forcément, quand des habitudes ont été prises sur un univers, c'est assez difficile via des mesures rétroactives de les changer. Par exemple, là, si on mettait en place si on changeait le déplacement de base actuellement, ça créerait un mini scandale probablement. Et voilà. Et donc on préfère faire un package. Sur une version stable, ce sera la version 1.1 stable qui amènera tout un tas de choses. Et voilà. Donc bah voilà, je pense qu'on va clôturer ce live. C'était assez intéressant de voir toutes ces infos. On se retrouve la semaine prochaine pour le changelog, pour suivre les superviseurs impériaux. Qu'est-ce que c'est? Voilà, en attendant, l'empereur Nif a des informations, et voilà, et comme vous avez vu, peut-être que l'empereur Léoh aussi, on sait pas. Donc c'est intéressant tout ça. Alors je sais pas, il y a un bug sur les aggroupés apparemment sur lequel on n'est pas au courant. Donc du coup, je vous invite à Mordorus, il y a un bug sur l'état groupé. Est-ce que tu peux balancer un numéro de ticket ou dire ce qui se passe dans le chat? Et puis je vais immédiatement faire le point avec l'équipe sur ce problème. Voilà, parce que peut-être que ça nous a échappé lors de la mise à jour du jeu, c'est tout à fait possible. Donc explique le problème dans le chat rapidement, s'il te plaît. Et puis on va voir, je vois ça directement après live. Sur ce, bonne soirée, good game, bon week-end, et puis on se retrouve pour des événements fous la semaine prochaine.
Ciao, 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 ciao! Transition foirée encore, nom de Dieu!